Larry Gang. C'est Mamed et je reviens enfin, je suis trop content, j'ai du temps libre, je peux me consacrer à tout ce que j'aime, c'est-à-dire les vidéos, les baskets, enfin les sneakers, le montage, parce que oui, j'aime le montage, j'apprécie le montage, et en plus là j'ai récupéré un nouveau Mac, donc je suis tout propre, tout jdid pour faire des montages de fou malade. Et puis voilà, de toute façon, ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être très simple, très rapide, très efficace. Je vais vous présenter une paire. Encore une fois, je pense que c'est la 15e vidéo de ma chaîne où je présente des paires. Mais bon, vous savez très bien que je suis un gros consommateur de sneakers. Et puis voilà, j'essaie de me faire plaisir de temps en temps. Même un peu trop à mon goût, mais ça va, depuis quelques mois déjà, je me suis pas mal calmé, j'essaie d'acheter vraiment que des pépites, que des paires qui me plaisent énormément, et puis j'essaie même de vendre un peu des paires que je porte plus du tout, histoire de plus accumuler, comme vous voyez derrière là, une montagne de paires que je porte très 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 rarement. Donc aujourd'hui on va parler d'une petite paire, je pense que vous l'avez vu à l'introduction, c'est une paire qui m'a fait de l'œil depuis pas mal de temps déjà, et puis je me suis dit bon pourquoi pas ne pas craquer, donc ce que j'ai fait, j'ai craqué, et je suis trop content de l'avoir cop, et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est parti, let's go! Alors l'équipe, effectivement, j'ai craqué. Vous savez très bien ce qui se trouve dans cette boîte de New Balance. C'est vrai que j'ai pas l'habitude d'acheter chez New Balance de base. C'est une marque que je consomme pas trop de ouf. Mais voilà, j'ai finalement craqué. Donc la paire est juste exceptionnelle, c'est pour ça que j'ai craqué. Mais je me consacre et je me concentre. De plus en plus sur New Balance, et pour moi ils font des trucs de ouf en ce moment, niveau qualité ça déchire, niveau tarot, bon, ça peut aller encore, hein. Pour certains modèles, voilà, on est quand même à un retail de 200€ par exemple, mais bon, après au niveau de la qualité, je suis absolument pas déçu, donc tant qu'à faire, autant mettre un peu plus et avoir un modèle qui tient et qui résiste, et avec New Balance justement, on n'est pas du tout pris pour des cons en fait. Vous voyez une paire de Dunk, bon après vous allez me dire oui, Dunk, Nike, c'est 100€, ok très bien, mais voilà, une paire de New Balance qui coûte 200 balles par exemple, ben vous êtes sûr et certain qu'elle sera extrêmement qualitatif, et ça c'est ce que j'aime, tu vois, c'est ils prennent pas vraiment leurs clients pour des cons, et au final on en a pour notre argent, et c'est ce que je kiffe. Mais trêve de plaisanterie, trêve de bavardage, parce que voilà, je parle beaucoup. Mais on est là déjà pour parler d'une seule paire, et une paire qui m'a fait de l'œil, et qui pour moi est, allez, sans mentir, hein, la paire de l'année 2021. Oui, j'allais dire 2020, mais non, 2021. On parle bien de la New Balance 2002R, du coup, du Protection Pack, la Rain Cloud. Cette paire, oh là là, attendez, je vais la poser. Cette paire est juste exceptionnelle, les gars. Je vous promets, j'ai jamais vu une paire aussi bien finie, aussi bien travaillée. Franchement, il fallait avoir l'idée, et en vrai, ils ont tué ça. Dites-vous juste que cette paire, de base, c'est même pas une collab avec un certain shop ou autre.
C'est vraiment une paire qui a été faite et réalisée par New Balance avec une idée originale, du coup d'avoir un peu cet aspect déjà rock ou même déjà taillé dans la paire. Les matériaux sont déjà découpés, etc. Regardez un peu plus en détail. Mais vraiment, pour moi, cette paire, c'est un bijou. Sans mentir, vraiment un putain de bijou. Je suis tellement heureux de l'avoir. De base, le modèle de la 2002R, moi, je trouvais qu'il était cool, mais sans plus. Hein. Pour moi, c'est une paire à avoir dans sa collection, dans sa rotation. Voilà, il fait pas beau, on a envie de sortir un dimanche, etc. On enfile sa 2002R, et voilà, on fait nos trucs sans se soucier forcément de la qualité. Enfin, pas de la qualité, mais sans se soucier justement de l'état de la paire à la fin de la journée. Et c'est ce que je kiffe, tu vois. Mais dès que j'ai vu cette paire dans le Protection Pack, les gars, c'est pas possible. Regardez-moi ce putain de bijou. Vraiment, j'ai pas eu encore l'occasion de la rock, même si ça fait pas mal de jours que je l'ai. Pas mal de semaines même que je l'ai. Mais voilà, pour moi, c'est un putain de bijou. Je suis tellement heureux de l'avoir. Dans le pack, du coup, il y a trois. Enfin, il y a eu trois coloris donc du Protection Pack. Il y a eu celle-ci, du coup, la Rain Cloud. Il y a eu la blanche que je vous affiche juste à l'écran. Et il y a eu la Full Black, du coup, Triple Black, que je vous affiche également juste à l'écran. Et pour moi, bien évidemment, et je pense que vous êtes unanime sur ce que je vais vous dire, c'est la plus belle du pack. Ça, c'est indéniable, vraiment. Mais du coup, voilà, moi, je fonds devant cette paire. Vraiment, j'ai tellement hâte de la porter. Il fait pas très beau, du coup, je me dis, bon, il y a un peu de daim, pas du daim, du nubuck, du suède devant. Donc, c'est un peu compliqué à porter quand il pleut et tout, ça risque de l'abîmer. Donc je vais voir, dès qu'il commence un peu à faire beau, etc., histoire de même la shooter, parce que je ne l'ai pas mis sur mon Insta encore, et j'attends que ça. Je vais essayer de dégainer un outfit full crème, qui peut rendre vraiment pas mal sur cette paire. Même les lacets sont nickel, font très bien le taf. Donc voilà, je suis vraiment amoureux de cette paire. Et c'est une paire que j'adore énormément, que je trouve juste sublime. Je pense que vous êtes totalement d'accord avec moi. Les jeux de matière, etc., sur la paire sont juste exceptionnels. De toute façon, j'ai fait des plans où je la porte, et même des plans de plus rapprochés, etc., pour que vous puissiez voir à peu près et à quoi ça ressemble en vrai, parce que je vous promets qu'ils se sont vraiment pas foutus de notre gueule, encore une fois, je le redis et je me répète, mais c'est réel, ils ont fait le taf, les jeux de matière sont exceptionnels. Et puis voilà, moi je suis totalement fan. Avec cette semaine un peu vieillie, etc., je sais pas si vous pouvez le voir à la caméra, mais en tout cas sur les plans que je vous ai fait, normalement vous pouvez le voir. Mais voilà, je suis fan de cette paire. Vous êtes pas mal nombreux à me dire qu'elle est exceptionnelle et que vous la trouvez exceptionnelle. Et moi, ce que je trouve bizarre, c'est qu'en fait, je me baladais sur Insta, etc., et je ne vois quasiment personne avec. Je comprends pas pourquoi. Elle est pas si chère que ça au resell. Bon, ça va, ouais, vraiment, ça va, elle est vraiment pas si chère que ça. Certes, il y a des personnes qui n'aiment pas acheter au retail, et je peux comprendre ça, hein. Mais voilà, j'ai pas vu de personne la rock, surtout dans mon entourage. Je sais qu'un de mes potes aussi la cop, il a totalement craqué, il la cop au même moment que moi, et je peux le comprendre, et c'est un bon. Mais en tout cas, voilà, je l'ai pas vu, et c'est dommage, parce que c'est vraiment un pack que je trouve tellement sous-coté, ou peut-être que les gens n'ont pas conscience et n'ont pas la conscience de l'existence de cette paire. Ce qui peut arriver, hein, puisqu'on a eu pas mal, enfin cet été on a eu pas mal de sorties et on était vraiment submergé par toutes les sorties. Sauf que là c'est bien calme en septembre, fin septembre, début octobre. Mais voilà, en tout cas, cette paire est exceptionnelle. Je vais vous afficher aussi la 2002R classique. Que vous pouvez retrouver chez tous les shops qui vendent des paires de NB et qui vendent la marque NB. Voilà, c'est une paire qui est classique. On change pas mal de cette paire là. Et ce qui est cool, tu vois, ça apporte vraiment un plus, un renouveau à la paire. Et je vais pas vous mentir que cette paire là m'a donné envie de me plonger dans les 2002R classiques. Et j'aimerais bien en acheter une. Voire deux pour voir ce que ça donne une 2002R classique. Je trouve le modèle sympa, très cool, simple, efficace. Vraiment, on peut pas dire que c'est une paire extrêmement travaillée ou autre, mais ça fait le taf et c'est ce que j'aime chez New Balance. Donc voilà, pour moi, j'ai une autre paire aussi de New Balance, la 992, qui pour moi est le modèle phare de New Balance, pour ma part, hein, que je trouve le plus exceptionnel. Et je compte vraiment me mettre de plus en plus dans New Balance parce que j'aime de plus en plus cette marque
Et j'espère justement continuer à acheter de leurs produits parce qu'ils ne se foutent pas de notre gueule et qu'on est servi et qu'on en a pour notre argent. Donc voilà, j'ai assez parlé et j'ai assez review la paire. Donc de toute façon, vous aurez des plans soit au début, soit à la fin de la paire en détail. J'ai essayé un petit peu de la rock très rapidement pour vous montrer un peu ce que ça donne au pied vu d'en haut. Mais voilà pour cette paire là. Maintenant on peut passer à la deuxième partie qui est la partie du sizing. C'est parti, let's go. Alors pour la partie du sizing, on va faire simple, rapide, efficace. J'ai juste une seule chose à dire, cette paire taille TTS, du coup elle taille comme toutes vos paires, que ce soit chez Nike, chez Adidas, bon un peu chez Adidas ça peut être un peu tricky avec Yeezy etc. Mais elle taille comme toutes vos paires. Donc moi de base je fais par exemple du 42,5 sur une paire d'Air Force, je fais du 42,5 sur une paire de Jordan 1, je fais du 42,5 sur une paire de Jordan 4 etc. Donc pour cette paire j'ai pris du 42,5 et ça me taille parfaitement, que ce soit avec des grosses chaussettes, avec des chaussettes un peu plus fines, j'ai aucun souci, je suis bien dedans, je suis à l'aise dedans. Donc voilà, pour la taille, n'hésitez pas à prendre votre taille habituelle. Et puis normalement, ça devrait rouler, hein, peu importe votre pied, votre morphologie de pied, etc. Il n'y aura pas de souci normalement. Donc voilà, prenez votre taille habituelle, il n'y aura aucun problème. Donc pour la partie du sizing, c'est terminé. On peut passer à la partie du retail resell. C'est parti, let's go. Donc pour la partie du retail resale, c'est simple. Il n'y a pas eu un engouement fort sur cette paire. Ce qui est cool pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de la choper retail. Mais je sais que retail, elle était pas du tout chère et c'est ça qui rend un peu fou hein, les gens qui veulent pas acheter au resale et je peux totalement comprendre. Si je dis pas de bêtises, elle était aux alentours de 150. Si je dis pas de bêtises, ouais. Entre 150 ou 180. J'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais ça doit être dans ces eaux-là. Comme moi je l'ai acheté au resale, je sais pas du tout combien elle était au retail, mais j'avais vu ça à 150. Donc voilà, une paire de cette qualité-là, de cette ingéniosité, dans le sens où voilà, il y a quand même du travail dessus, on n'est pas sur une paire lambda classique que vous pouvez retrouver chez n'importe quelle marque ou n'importe quel retailer, bah je peux vous dire que ça en vaut pour son argent. 150 balles pour ce travail-là, c'est un truc de ouf, donc je suis trop content. Mais bon, moi je l'ai pas eu au retail, bien évidemment, je l'ai acheté au resell et je l'ai payé 230€ si je dis pas de bêtises. Non, 240€, ouais, 230 ou 240€. Je sais que même aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous sommes le 20, oula, le 30, je sais plus, le 29 ou le. Non, le 28 octobre, le 28 septembre, pardon. Là, c'est la team chômage hein, qui prend le dessus. Désolé, je sais plus quel jour on est, merde, oh merde. Mais voilà, je sais que au resell, elle est pas du tout chère. Elle est à 200, entre. Vous pouvez l'avoir entre 200 et 230, 240. Pour la Rain Cloud, hein, celle dont je vous parle aujourd'hui, la grise. Mais je sais que pour le modèle blanc et le modèle noir, on est sur un prix qui est beaucoup moins élevé. Tant mieux, en vrai. Et je vais pas vous cacher que je pense réunir tout le pack. J'essaierai d'acheter les trois, même si je suis un peu moins fan de la blanche. Elle risque de salir extrêmement vite. On est en automne. On risque d'arriver en hiver très rapidement. Voilà, je la sortirai même pas, donc je pense. Donc vaut mieux ne pas la prendre. Mais bon, je me dis autant la cop maintenant pour cet été, ça peut être cool. Et puis on espère et on prie pour un petit restock. Oh, un petit restock de ce pack, comme c'est pas une collab, il y a de fortes chances que ça arrive. Mais voilà, on n'a pas de date, on sait pas ce qui s'est passé. C'est vraiment une sortie qui a été un peu passé à la trappe et je regrette de pas m'être penché dessus beaucoup plus en détail pour l'avoir au retail. J'aurais bien aimé, mais malheureusement ça n'a pas été le cas et puis c'est pas grave, de toute façon on verra pour les prochains jours. Je m'étale énormément, j'aime beaucoup parler, mais voilà, je voulais juste vous donner mon ressenti, vous donner un peu des petits détails sur la paire, que ce soit au niveau du prix, que ce soit au niveau du sizing. J'espère que je vous ai aidé au moins. Pour vous quitter, je vais vous laisser sur une partie on-fit un peu de la paire, très rapide, hein.
Comme j'ai pas pu la rock à l'extérieur, bah voilà, je peux pas vous montrer ça à l'extérieur encore. Mais voilà, j'ai essayé de la porter pour vous donner un peu une vue de la paire, vue d'en haut justement, pour voir à quoi ça ressemble au pied. Mais en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et même à commenter si vous avez des questions au niveau du sizing, etc. Je sais que vous le faites beaucoup sur mes vidéos de foam, de slide, etc. Donc moi j'hésiterai avec grand plaisir à vous répondre le plus rapidement possible. Et puis moi je vous dis à une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao!